Bonjour Maître Mbouyou. Bonjour. Vous êtes membre du collectif des avocats du pasteur Daniel Ngoï Mulunda. Qu'est-ce qu'il en est de son procès? Bon, nous venons de lever l'ancre dans cette défense parce que il y a eu un débat ce matin sur le fait de la saisine. L'ANR a appréhendé le pasteur Mulunda de force chez lui, deux jours après les faits, après la messe dans laquelle il a fait son sermon. Ils l'ont gardé à l'ANR, dans un cachot. Ils l'ont interrogé pendant 3 heures. Et le lendemain, ils l'ont conduit au parquet général. Le parquet général, sans l'avoir entendu, et sur base du mandat de prise de corps, il a conduit pasteur Mulunda à la prison. Alors, le lendemain, le tribunal s'est présenté au-delà de 19h pour le juger. Mais le prévenu a dit, je ne suis pas en mesure d'être jugé maintenant, je reste dans ma cellule. Le tribunal, jusqu'à 22h, on n'a pas pu le juger. Il rentre ce matin pour dire, ok, nous voulons identifier le prévenu, mais l'audience continue. Nous disons, non, l'audience commence. Non, nous avions siégé hier. Mais comment vous aviez siégé hier sans sa présence? Et comment avez-vous identifié que vous avez siégé sur le cas du pasteur Mulunda? Nous avons demandé d'abord qu'il y ait une régularisation de la saisine, qu'on lui notifie qu'il comparait à la demande du ministère public, parce que le ministère public avait fait un mandat, une note de fixation de la cause Mulunda devant le tribunal de paix de Lubumbashi-Kamalondo. Alors nous avons demandé qu'il lui soit notifié régulièrement qu'il vienne comparaître. Et le tribunal refuse, mais le tribunal rend une décision pour dire qu'il rejette les moyens soulevés par la défense et demande à la défense de venir à la discussion sur le fond. La défense a formé appel contre cette décision. Et d'ailleurs, le prévenu lui-même a dit non, je vais en appel contre cette décision parce que vous n'êtes pas régulièrement saisi à mon égard. Le tribunal s'est retiré. Il est revenu 15 minutes après pour dire cet appel n'est pas formalisé parce que l'article 100 du Code de procédure pénale demande que l'appel soit formalisé. La défense a soulevé les arguments pour dire nous sommes à 10 km du greffe et la loi dit tout ce qui est acté à l'audience par le greffier, il est authentique. Nous avons fait acter cet appel par le greffier et devant le tribunal pendant qu'on siégeait. Ils ont dit non, nous rejetons, il faut plaider. Il faut continuer l'instruction. Deuxièmement, nous avons fait, en application de l'article 100 du Code de procédure, une lettre missive signée par le prévenu lui-même qu'on a déposée sur le banc, conformément à l'article 100 du Code de procédure. Et en ce moment-là, le tribunal a dit nous suspendons. Et ils sont en train de se concerter. Mais la défense dit en tout état de cause, on ne peut pas violer les droits humains, les droits fondamentaux de l'être humain, de former un appel contre une décision qui lui est défavorable. Il veut d'abord être régulièrement appelé, qu'on vérifie les actes qui l'ont mis en prison, qu'on vérifie la question si réellement il y a une flagrance ou non, avant de continuer. Et le tribunal veut lui refuser cela. Nous disons non, ce n'est pas acceptable. La défense ne peut pas assister à un show, cautionner une parodie de procès. Non, la défense ne veut pas faire ça. Et c'est ainsi que la défense a quitté la salle et le tribunal a suspendu son audience. Voilà où on en est. Merci beaucoup, monsieur.